Que l'accusé déclare son identité au conseil de guerre. Russell. Louis. Nathaniel. Né à Saint-Brieuc. 27 ans. Capitaine du génie. Lisez le rapport d'accusation. Monsieur Russell était capitaine du génie à la place de Metz. Il l'a quitté sous un déguisement le jour de l'entrée des Prussiens. Nommé colonel par Gambetta, il a abandonné son poste pour allier, dès le premier jour, l'insurrection parisienne. Il s'est rangé du côté des rebelles. Ministre de la guerre de la Commune. Il a tout fait pour la rendre victorieuse. Il y a des ordres de Russell qui sont sauvages. J'ai combattu Versailles, mais en ennemi loyal. Vous n'êtes pas un ennemi, vous êtes un traître. Russell est plus coupable qu'un autre d'avoir pactisé, lui, officier intelligent et instruit, avec des misérables qui devaient terminer leur forfait par l'assassinat et l'incendie. Il a renié le drapeau tricolore pour prendre en main l'étendard de la révolte. La solidarité qui relie étroitement les membres de l'armée et rejaillir sur nous tous la tâche indélébile, l'imprimer à l'honneur militaire. Cette conduite criminelle implique leur chef d'administration ayant pour but d'exciter la guerre. Le premier consiste dans les offres de service de l'écrivain gouvernement insurrectionnel. Et surtout, dans sa déclaration. Instruit par une dépêche de il y a deux partis en lutte dans le pays. Je me range, sans hésitation, du côté de celui qui n'a pas signé la paix. Le deuxième chef d'accusation résulte des pièces notamment dans une invitation adressée au commun, le pays entier, mêlé à la révolte. En outre, l'accusé a à répondre du fait d'avoir pris, sans ordre du pouvoir légitime, le commandement d'une troupe armée, d'avoir, en exerçant les fonctions, délégué à la guerre, d'exercer le commandement de grandes armées pour faire résistance à la force publique. Il avait sans doute la prétention de conserver le grade de colonel qui avait été attribué en dehors de toutes les règles à la suite. Je termine, messieurs, en vous adjurant d'appliquer rigoureusement la loi, car il s'agit de faire un exemple éclatant qui garantisse à l'avenir l'armée de défaillance aussi coupable, aussi dangereuse. Un soldat ne peut et ne doit pas pouvoir désobéir sans se dégrader. Je requiers donc la mort. L'histoire de Louis Nathaniel Russell est d'abord une belle histoire, romantique et tragique à la fois. Comment un jeune officier du Second Empire peut-il rejoindre les rangs de la Commune de Paris et en devenir le ministre de la guerre? Élève au Prytanée militaire de la Flèche, puis jeune polytechnicien quelques années plus tard, il dissimule bien, sous un maintien de petites choses, un esprit rigoureux. J'ai l'habitude, dit-il, de pousser les déductions jusqu'au bout. Et en effet, Russell ne vivra qu'un trait de feu, parce que c'est un homme qui dit non. Non à la capitulation de la France, non au suicide de la Commune. Il se brouille avec tous les camps,
mais Versailles, en le faisant fusiller, fera de sa vie un chef-d'œuvre. Sa mort nous interpelle encore aujourd'hui, avec une force extraordinaire, car Rossel pose les questions fondamentales et toujours actuelles, celles de l'honneur, de l'obéissance militaire, de la légitimité. Mais aussi celles décisives pour tous ceux qui veulent changer la société, de la nécessité de l'ordre dans la révolution. La discipline est-elle compatible avec la démocratie? La mort de Rossel, enfin, c'est l'affirmation de la supériorité de la conscience face à tout pouvoir. Revenons à Metz. Depuis quand étiez-vous employé à cette place? Au lendemain de la défaite de Forbach, c'est-à-dire le 6 août 1870. Mais à Metz déjà, vous étiez hors de la discipline. Bazaine s'était laissé enfermer dans Metz sans combattre. Le blocus durait déjà depuis plus de 2 mois. C'était insupportable. Alors si la discipline, c'est de manquer à son devoir de soldat, si la discipline, c'est de rester enfermé dans une place forte avec 200 000 hommes sans rien faire, alors oui, j'ai préféré sacrifier mon devoir de soldat à mon devoir de citoyen. À Chile, Madame la Générale est de Sussex, sans nous et en mourir en maître depuis qu'elle y a rejoint son mari, me demande si nous serons obligés d'organiser ici les balles de la Saint-Sylvestre. J'espère que nous réveillerons à Paris, Madame la Maréchale. Je pencherai plutôt pour Malagne ou pour Cassel. Vous croyez que les Allemands ne nous laisseront pas rentrer à Paris? Les gens de bien ont tous intérêt à faire taire ces canailles de Parisiens. Juste avant Sedan, nous avons encore réussi à faire venir de Reims un excellent champagne. Je sais que le général de Cissé a toujours eu une excellente cave. La cave, monsieur le maréchal, est loin d'égaler la vôtre, dont la réputation, depuis la guerre du Mexique, a franchi l'océan. Il n'y a rien à redire à l'équipage des officiers de l'armée du Rhin. Leur cave, leur domestique nous composent à Metz une vie de garnison que, somme toute, peuvent nous envier les Prussiens, qui logent dans des granges. C'est un peu le revers du blocus. Les domestiques réclusés sur place ne valent pas les Mexicains. Ils ont je ne sais quoi de rude. Ils sont grossiers. L'un d'entre eux s'est répondu l'autre jour à l'office à vociférations contre l'armée. Oh. Ouais. Qui disait-il ne fait rien pour sortir d'ici, sinon attendre la capitulation. On ne dit pas ces choses-là, Ahmed. Le 2 septembre 1870, le désastre de Sedan amène la chute du Second Empire et la proclamation de la République. En pleine guerre, un gouvernement provisoire, dit de la Défense nationale, est constitué à Paris. C'est le gouvernement des Jules. Jules Favre, Jules Ferry, Jules Simon et Jules Trochu, le gouverneur de Paris, qui en devient le président. Dans son ensemble, le gouvernement veut arrêter la guerre. Un seul problème le préoccupe vraiment: préserver l'ordre social. Un ministre pourtant ne pense qu'à résister. C'est Gambetta,
qui de Tours réussit à improviser une armée, car Paris est encerclé. Un mauvais esprit s'est répandu partout. Depuis qu'à Paris, ils ont proclamé leur république. Des chassepots ont été distribués aux bandits et aux scélérats de Belleville et de Ménilmontant sous prétexte de faire une garde nationale contre les Prussiens. La canaille, ce cialot patriotarde, tient désormais le haut du pavé. Les malfaiteurs de 48 sont de nouveau à l'œuvre. L'ordre social n'est plus défendu. Il n'y a plus d'armée. Sauf la nôtre. Connaissiez la teneur. Au moment où la société est menacée par un parti violent, le maréchal, commandant l'armée du Rhin, soucieux de préserver le pays de ses propres excès, se demande en conscience si cette armée ne doit pas servir d'abord à sauver la société. Qu'en pensez-vous, Boyer ? Bismarck ne peut souhaiter la victoire de la subversion à Paris. Elle gagnerait toute l'Europe. La seule force armée qui puisse maîtriser l'anarchie, c'est nous. Et puis les Prussiens eux-mêmes n'arriveront jamais à rétablir l'ordre à Paris. D'ailleurs, qui, en dehors de nous, peut leur garantir ce qu'ils demandent? Les Alsaciens-Lorraine? Ne chipotons pas. Pour établir en France un pouvoir régulier, il faut un bras armé. Ce bras armé, c'est nous qui le ferons. Plutôt Bismarck que la racaille républicaine. Voyez, je vous fais général. D'état pour nous débarrasser de ces nullités. Risque de l'avoir ton coup d'état, mais peut-être pas celui que tu souhaites. Si Bazaine ne tente rien depuis 2 mois, ce n'est pas par hasard. Quoi, tu penses que s'il veut pactiser avec l'ennemi, c'est pour rejoindre Paris et restaurer l'Empire, avec l'ambition, bien sûr, d'en devenir le personnage principal? Oui, c'est évident. Je le soupçonne même de vouloir garder ses forces intactes uniquement pour ça. Taisez-vous. Vous pourrez vous fusiller pour de tels propos. Tout cela finira par une capitulation. Ils défileront sans armes devant les Prussiens. Il paraîtrait qu'il ne resterait plus que 8 jours de vivre. Oui, et dans 8 jours, ils capituleront. C'est exactement le prétexte qu'ils attendent pour se rendre. Seul, mon général, pourriez tenter quelque chose. Vous seul avez l'autorité nécessaire pour entraîner toute l'armée derrière vous. Je ne veux pas déshonorer mes cheveux blancs. Enfin, vous savez que rien n'a été tenté pour sortir de Metz. Cette armée n'est plus en état de tenter quoi que ce soit. Et puis ça servira à quoi? À nous faire battre en rase campagne. Nous faire battre? Comment pouvez-vous dire ça? Comment pouvez-vous douter de la victoire quand le combat n'a même pas encore été engagé? Non seulement la France possède encore un immense matériel de guerre, mais une fois sortie de Metz,
L'armée a le choix dans plusieurs solutions. D'abord, foncer tout droit sur la capitale. Débloquer les places fortes d'Alsace et de la Lorraine. Attaquer les provinces allemandes. Et autre solution, si peut-être la plus sage. Rejoindre les troupes de Gambetta au sud de la Loire. Pour intensifier la résistance. Un avocat de province. Et je prends pour un sauveur. Quand on commence une révolution, on ne sait pas où ça s'arrête. Capitaine Russell. On m'a dit que vous vous promenez beaucoup dans les camps. C'est simplement pour prendre quelques notes, monsieur le maréchal. J'ai fait des études de sciences militaires. Je suis franc. Parlez-moi franchement. Je vous réponds avec une franchise égale à la vôtre, Excellence. Je ne cherche qu'à faire mon devoir. Je ne demande qu'à vous croire. On m'a dit que vous cherchez à savoir ce que feraient les généraux dans certaines circonstances. Dans quelles circonstances, monsieur le maréchal? Dans le cas d'une capitulation, à laquelle, Dieu merci, personne n'a encore songé. Bien entendu. Mais comment pouvez-vous imaginer un simple capitaine allant dicter leur conduite à des généraux? Je pense seulement que, malgré ses malheurs, l'armée de Metz représente encore un des plus beaux instruments de puissance militaire qu'un pays puisse posséder. Qui veut dire le contraire? Le tout est de savoir à quoi l'utiliser. Un bel instrument, c'est fragile. Oui, mais en ce moment, il s'abîme tout seul. À qui le confier? L'empereur est prisonnier. Je suis sans nouvelles du gouvernement de la Défense nationale. Ma situation est sans précédent dans l'histoire. Et nous n'avons pas le droit de traiter avec l'ennemi. Je suis libre. Je ne relève que de ma conscience. Quand on est en face de l'insurrection, les devoirs militaires sont moins stricts. Gagnons la guerre et il n'y aura pas d'insurrection. Avec ou sans gouvernement légal, la France existe toujours. Et c'est bien parce qu'elle existe toujours que les gens intelligents et avisés souhaitent qu'un armistice intervienne pour qu'elle continue à vivre. Au fait, on m'a remis ce torchon qui circule, paraît-il, parmi les officiers. Soldats, prenez garde que l'obéissance militaire ne vous entraîne pas dans le crime. Au-dessus de votre devoir de soldat, il y a votre devoir de Français. N'y a-t-il plus de Prussiens à combattre? Je trouverai son auteur. Le 28 octobre 1870, l'armée du Rhin rendait ses armes. Le 29, Russell franchit les lignes, déguisé en paysan, pour rejoindre Gambetta, installé à Tours. Comment? Je vous le demande. Comment pourrais-je renvoyer au feu des généraux qui ne veulent pas se battre? Cassez-les. Je vous rappelle que j'ai déjà cassé le général de Palatine pour avoir perdu Orléans. Mais c'était déjà trop tard, monsieur le ministre. C'était avant qu'il aurait fallu le faire. Orléans n'a pas été perdu. Orléans a été livré sur une faute grossière qui prouve la nullité de vos généraux. Il faut agir. Vite. Je ne peux tout de même pas casser l'armée tout entière, capitaine. Je n'ai déjà pas tellement d'hommes de métier autour de moi. Non. Revenons à la politique, voulez-vous? En politique, on n'a que le choix des inconvénients, mais il n'est pas interdit d'être habile. Habile? Il ne s'agit plus d'être habile. Vous semblez ignorer, monsieur le ministre, qu'en ce moment, nous sommes en train de perdre la guerre à cause de généraux qui sont incapables, qui font des plans absurdes, qui commettent des erreurs journellement. Écoutez, vous êtes ministre, il faut que vous deveniez homme de guerre. C'est notre seul espoir. Vous oubliez encore la politique, capitaine. Et en politique, il faut se méfier des simplifications. En politique, on se perd souvent dans les nuances. Je vous assure que si vous preniez une part active à la conduite de la guerre, nous pourrions peut-être ressaisir la victoire. Je vous l'assure. La
continuation de la lutte jusqu'à la victoire finale, ce n'est pas une utopie. Je peux vous proposer aujourd'hui un plan de résistance à partir de la Loire. Monsieur Rossel. Monsieur Rossel, savez-vous que la France bien-pensante me regarde déjà comme un dictateur? Que tous les notables sont contre moi, fous de peur à l'idée d'une république qui leur ferait perdre tous leurs biens? Que la province accuse Paris de menacer la sécurité et la liberté du pays? Que puis-je faire seul? Si les campagnes sont inertes, la bourgeoisie lâche, l'administration perfide ou passive? Votre gouvernement n'est pas un gouvernement de combat. Il ressemble beaucoup trop à ceux qui l'ont précédé. Beaucoup de bureaux, beaucoup de police. Monsieur Rossel, je suis plus âgé que vous, croyez-moi. Avant de faire la guerre, il faut d'abord faire de la politique. Tous les partis réactionnaires sont ligués contre moi. Légitimistes, orléanistes, bonapartistes, tous savent que si la France est délivrée par la République, elle, sera fondée à jamais. Et c'est cela. Ils n'accepteront pas. Pour eux, la France doit expier le crime de s'être donnée à la République. Oui. Ces gens-là nous haïssent tellement qu'ils préféreraient mille fois la défaite de la France au salut de la patrie. Il y a des forces dans ce pays, vous n'êtes pas seul quand même. Thiers, qui vient d'arriver à Tours, est un républicain. Il se dit républicain. Certes, il veut la République, mais une République qui soit à lui, c'est autre chose. Il m'accuse de prolonger une résistance criminelle. Parce qu'il ne supporte pas de me voir aux affaires. Pas une intrigue où je ne trouve la trace. Thiers. C'est lui qui fait le tour des capitales européennes pour solliciter leur arbitrage et imposer l'armistice. L'Europe, excellent camouflage pour abaisser la France. Thiers. Enfin, quel est son but? Son but? Provoquer des élections. Des élections en pleine guerre? Oui, en pleine guerre. Sous prétexte de donner au pouvoir une assise légitime, Thiers va rechercher la caution du suffrage universel pour imposer le dictat de l'Allemagne et le démembrement de la France. En attendant, aujourd'hui, chaque insuccès livre à l'ennemi un lambeau de territoire. Chaque insuccès réduit à néant les forces de notre armée. Et pourtant, vous êtes le seul recours à la résistance. Le seul. Alors, quel jeu voulez-vous jouer? Et si Paris capitule? Mais même si Paris capitule, il nous reste les deux tiers du territoire. L'Algérie, d'où nous pouvons faire venir 30 000 Kabyles. Il nous reste aussi une flotte qui peut agir sur les côtes allemandes. Non. La révolution est peut-être le prix à payer pour nous débarrasser des traîtres et des médiocres. La révolution. Une révolution, on sait ce qu'elle renverse. On ne sait jamais où elle peut nous conduire. Monsieur Thiers. Tout cela, bien sûr, reste entre nous. Revenez me voir demain. Ah, voici notre négociateur. Rivière, cher ami, ce voyage en chemin de fer ne vous a pas trop fatigué? Je n'ai pas votre langue, Gambetta, mais que ne ferait-on pas pour le salut du pays? Venez vous rafraîchir, par ici. Le lendemain, Rossel revint voir Gambetta, mais le ministre fit répondre qu'il était en conseil. Rossel de Guerlas
accepta le commandement du génie de Nevers avec le grade de colonel. Il y forma des soldats, en pure perte, jusqu'à la fin de la guerre. L'armistice fut signé entre Bismarck et Jules Favre le 28 janvier 1871. Le 6 février, Gambetta, isolé, préférait démissionner. Le 8, les électeurs envoyaient à Bordeaux une écrasante majorité royaliste d'avance acquise à la paix. Il n'y avait pas d'autre choix possible que l'armistice en juin 40. Et en octobre à Montoire, il n'y avait pas d'autre choix possible que la collaboration. Que veulent dire les accusations qu'on porte contre moi ? Personne n'a accusé Thiers d'avoir trahi en 1871. La défaite française a été causée par la force mécanique, aérienne et terrestre de l'ennemi. L'action foudroyante de cette force mécanique a amené l'effondrement du moral, du commandement et du gouvernement. Devant cet effondrement, deux voies s'ouvrent, de l'abandon et du désespoir. Elles menaient à la capitulation. C'est celle qu'a choisie le gouvernement Pétain. L'autre est celle de l'honneur et de l'espérance. C'est celle que nous avons prise, mes compagnons et moi. Le 18 mars 1871, on apprenait que Paris, ulcéré par l'armistice, se soulevait. Ce soir-là, Rossel dînait à Nevers, chez son hôte, M. de la Cour, un riche bourgeois. À la France, malade. Quand on pense que Paris semble à deux doigts de se révolter, ah, on aura vraiment tout vu. On avait déjà les Prussiens sur le dos, maintenant c'est la populace qui bouge. Mais asseyez-vous, je vous en prie. Voilà. Louis ? Alors, votre vie à Nevers n'est pas trop désagréable ? Oh, nous vous avons vu, Angélique et moi, au défilé. Et franchement, venant de moi, ça ne doit pas vous gêner, nous vous avons trouvé superbe. N'est-ce pas, Angélique ? Oui, la populace, comme vous dites, quand elle se battait il y a 3 mois, quand elle s'appelait la Garde nationale, vous la portiez au nu. Aujourd'hui, dans votre bouche, c'est la populace. Mais il y a 3 mois, elle se battait contre les Prussiens. Elle n'entendait pas proclamer la commune. De quel défilé tu parles ? Tais-toi maintenant. Oh, mais serez-vous mieux que ça ? Il y a 3 mois, monsieur, la commune n'avait pas assassiné de généraux. Qu'est-ce que vous racontez, vous ? Oui, monsieur. Je tiens ça de mon frère qui en revient. Les généraux Thomas et Lecomte ont été assassinés. Ils voulaient reprendre les canons de la garde nationale. Mais leurs soldats ont fraternisé avec les gars de Belleville. Les canailles ! Alfred, nous sommes à table ? Je suis loin d'approuver ces violences dont les révolutions sont toujours le prétexte. J'y suis même fortement opposé. Mais enfin, il faut reconnaître que M. Thiers a tout fait pour en arriver là. Il a poussé le peuple à bout. Il a condamné à mort les hommes du Parti démocratique. Il a supprimé leurs journaux. C'est lui le responsable de ces excès. On dirait que vous les approuvez. Qu'est-ce que vous pensez de mon pâté de grive ?
L'horreur, madame, de ce gouvernement qui pactise avec l'ennemi et qui ne fait la guerre qu'aux partis d'opposition. Enfin, vous n'êtes pas sérieux. Si, je suis tout à fait sérieux. Et dans moins d'une heure, j'aurai envoyé ma démission au ministère de la guerre à Versailles. Vous quittez l'armée ? Oui. Vous ne me croyez pas ? Tenez, madame, lisez. Je n'ai pas mes lunettes sur moi. Angélique, lis ma fille. Mon général, j'ai l'honneur de vous informer que je me rends à Paris. Instruit qu'il y a deux partis en lutte dans le pays, je me range sans hésitation du côté de celui qui n'a pas signé la paix et qui ne compte pas dans ses rangs de généraux coupables de capitulation. Coupables de capitulation. J'ai l'honneur d'être, mon général, votre très obéissant et très dévoué serviteur. Oui, Rossel. Mais vous êtes fou. Mais vous allez vous joindre à une émeute. Et vous prenez des risques terribles. Papa a raison. C'est dangereux. Mais pour le reste, je pense que vous avez raison. Angélique, tais-toi. Je ne sais pas qui sont ces insurgés. Mais je sais contre qui ils sont insurgés, et cela me suffit. À Paris, il existe 1000 pièces d'armes, 200 000 hommes. Tout ce qui m'importe, c'est la victoire. La garde nationale ? Mais ce sont des civils. Et mal entraînés. Enfin, c'est tout de même pas à vous, un colonel, que je vais l'apprendre. L'armée régulière a déjà évacué Paris sur les ordres de Thiers. Quand bien même je n'aurais eu aucun penchant pour la Révolution, ce dernier détail me suffirait pour la rejoindre. Écoutez, Rossel, vous savez, tous ici, nous avons de l'estime et nous avons de l'amitié pour vous. N'est-ce pas, Norine ? N'est-ce pas, Angélique ? Alors vous, il faut que vous compreniez que la France est épuisée. Elle ne vous suivra pas. Maintenant, ce qu'il faut, eh bien, c'est payer le prix des erreurs de l'Empire. Aujourd'hui, le destin est le plus fort. Et il faut savoir s'incliner. Le destin, c'est un mot qui cache beaucoup de résignation. Pour moi, la France n'a pas perdu la guerre. Oui, mais la France, ça n'est pas un peuple de jeunes colonels enflammés qui jouent à la guerre jusqu'au bout. La France, c'est surtout des gens qui vivent, qui mangent, qui font des enfants. Pour ça, il faut du pain. Donc, du travail. Et pour ça, il faut la paix. Et puis, qu'est-ce que vous allez faire ? Écraser le parti de la trahison. C'est lui qui a jeté la France dans l'abîme où nous sommes. La révolution est à refaire. J'espère de tout mon cœur que la Commune y réussira. L'Allemagne ne laissera jamais se développer une révolution aussi près de chez elle. Si la Commune l'emporte, la reprise de la guerre est inévitable. Oui. Oui, mais non. La Commune n'a pas pour but la guerre contre l'Allemagne. Ah. Pagaille et Chienlit, ça oui. Ces ouvriers, ça fait 6 mois qu'ils ne font rien.
Et dans la garde nationale, ils étaient payés... par jour. 30 sous. 30 sous. À ne rien foutre. Et voilà que la paix va les remettre au travail. Ah ben, on comprend qu'ils n'en veuillent pas. Ils préfèrent le bistrot. Quelle aventure, Louis. J'ai peur. Et en même temps, je vous approuve. Alfred, fais taire ta fille. Oui, tais-toi. Monsieur Lacour. Angélique sent les choses comme il faut. Réfléchissez au parti extrême que vous allez prendre. Ces gens-là ne sont pas de notre monde. Notre monde ne peut plus se sauver. Il faut en inventer un autre. Au revoir, Angélique. Paris, ville libre, ce n'est pas un rêve. La garde nationale, surtout composée d'ouvriers, à remplacer l'armée permanente. On ne se gouverne plus comme avant. Partout, on élit de nouveaux responsables, payés au salaire d'un ouvrier, et révocables. Le 26 mars, la commune est élue. C'est un triomphe pour les révolutionnaires. Dans les rues, on s'aborde sans se connaître. Frères, par la même volonté, le même amour. Paris, en prenant la tête de la première révolution ouvrière mondiale, a repris son rôle historique. En quelques semaines, la Commune va promulguer toutes les lois que la Troisième République mettra un demi-siècle à réaliser. Gratuité de l'enseignement, limitation de la durée du travail, séparation de l'Église et de l'État. Elle ira même plus loin, en confiant aux travailleurs la gestion des entreprises abandonnées par leurs propriétaires, enfuies à Versailles. Dans la rue, c'est la fête, une véritable révolution culturelle. Pourtant, une menace plane. La Commune n'a pas profité de sa supériorité initiale pour attaquer Versailles. Là-bas, Thiers concentre les troupes. Et sur le plan militaire, la garde nationale de Paris est mal entraînée et surtout indisciplinée. Le désordre règne. La commune où, sur une soixantaine de membres, siège pour la première fois une vingtaine d'ouvriers, essaye sans grand succès de maîtriser la situation militaire. La commune est divisée en plusieurs tendances. Une majorité jacobine qui vit sur les souvenirs de la grande révolution bourgeoise de 1789. Et une minorité socialiste d'inspiration proudhonienne et prise de pureté. L'arrivée de Rossel à Paris le 20 mars surprend. C'est le seul militaire de haut niveau à se joindre aux Parisiens. Tout de suite, il est nommé chef militaire du 17e arrondissement. Parviendra-t-il à endiguer l'anarchie et à repousser les Versaillais? Où est votre chef? Il n'y a plus de chef. On est tous des chefs. Où est votre colonel?
Il est ivre. Où est votre capitaine? Il dort. Suivez-moi jusqu'au rond-point de Courbevoie. Pas question. Ils sont 10 contre 1. Suivez-moi. C'est un ordre. Lâche. Vous n'êtes pas digne de servir la grande idée de la commune. Imbécile. En conclusion, si ça continue comme ça, nous sommes fichus. Créons une cour martiale pour réprimer les couards. Et prenons Russell pour la présidence. Attention, messieurs. Vous prenez des risques. Défiez-vous des militaires. Non. Il nous faut un homme qui va jusqu'au bout de ses convictions. Et cet homme-là, c'est Russell. Si la commune veut arrêter la décomposition de la garde nationale, elle devra sanctionner avec rigueur tous les manquements à la discipline militaire. La commune a supprimé la guillotine, elle a bien fait. Mais elle ne pourra pas admettre qu'un soldat se sauve pendant que son camarade se fait tuer sur place. Et la spontanéité des masses, camarades ? La spontanéité de ceux qui se sauvent au premier coup de fusil n'a rien à voir avec la discipline au combat. Votre sévérité doit être exemplaire pour que vive la glorieuse commune de Paris. Jean-Nicolas Giraud, commandant du 74e bataillon, vous avez refusé de rejoindre la porte Maillot où se trouvait l'ennemi. J'ignorais qu'on m'envoyait à l'ennemi. J'ai souffert 24 ans pour la République. Je ne vois pas ce que vous appelez l'ennemi. Nous n'avons que faire des opinions politiques. Sachant la confusion avec laquelle les ordres sont donnés, j'ai pas pris ça au sérieux. Vous n'avez pas à discuter les ordres. Vous avez accepté un grade. Vous devez en accepter les responsabilités. La cour déclare l'accusé coupable de désobéissance pour refus de marcher contre l'ennemi. En conséquence, elle condamne le citoyen Giraud à la peine de mort. Merci, citoyen. Citoyen Potier et Lotte, lieutenant et capitaine au 163e bataillon. Vous avez quitté la tranchée du fort de Vanves contrairement aux ordres pour aller vous reposer à Paris. Ce sont les hommes qui sont partis. Vous les avez arrêtés? Non. J'ai trouvé qu'ils avaient raison. Et vous, Lotte? J'étais jeune officier. Il n'y a pas de jeune officier, il y a des officiers, c'est-à-dire des responsables. Ont assez souffert. Ces malheureux ont assez souffert. Après avoir passé 6 jours et 6 nuits sous les bombes, ils avaient le droit de se reposer. On ne peut pas imposer une discipline militaire à ces braves ouvriers. On ne peut pas imposer une discipline militaire à ces braves ouvriers. À bas le militarisme. La cour condamne le citoyen Potier à 3 ans de prison. Et le citoyen Lotte à 2 ans. Et tous les deux à la destitution. Pouvez-vous retirer?
ennemi du sang, j'ensanglante mon nom. Et on m'accuse d'ambition. Si j'étais ambitieux, je ne me souillerais pas les mains. L'acceptation des fonctions de président de la cour martiale est le plus grand sacrifice que je puisse faire à la cause de la révolution. Le sacrifice de sa réputation n'a que peu d'importance lorsque c'est à sa patrie qu'on l'offre. Le temps qui venge l'humanité trahie et les peuples opprimés finira bien par remettre les choses à leur vraie place. Pour moi, Robespierre, ce n'est pas encore le cas. Mais sachez-le, la terreur pour un gouvernement révolutionnaire n'a rien de commun avec l'anarchie ni le désordre. Rien de commun avec l'arbitraire. Elle est nécessaire. C'est tout. La rue a raison. Il ne faut pas confondre les pères de famille de la garde nationale avec les soudards de l'armée régulière. Et n'oubliez pas, en condamnant deux soldats du 105e bataillon, qui est le meilleur soutien de la commune, on scelle nos mines. Il faut faire attention, c'est un terrain mouvant. Il est vrai que les jugements sont durs. Eh bien, cassons-les, ces jugements. Nous le devons à l'esprit de la commune. La commune se suicide par ses faiblesses. Elle casse les jugements, elle ridiculise la cour martiale. Et pendant ce temps, Bismarck libère les soldats de Bazaine. Thiers aura bientôt tout ce qu'il voudra pour contre-attaquer. Et la commune n'aura rien à lui opposer, rien. Ni soldats, ni troupes, ni armées. Et tout ça à cause de gens stupides qui se battent pour des querelles stériles et qui se défient de moi parce que je suis un militaire. Non, j'en ai assez. Je démissionne. Le colonel Russell a envoyé sa démission. Il faut la refuser. Et à mon avis, il faut lui donner de l'avancement. Nous n'allons pas laisser partir notre seul vrai chef militaire, enfin. En tout cas, il faut d'abord l'écouter, qu'on aille le chercher. Si vous voulez vraiment le garder, vous n'avez qu'à le nommer délégué à la guerre. De toute façon, celui que nous avons élu, Cluseret, est un incapable. Pourquoi incapable? Écoutons-le d'abord, ce Russell. On verra bien ce qu'il a dans le ventre. Démission! Bravo, bravo, démission! Citoyens! Citoyens, je regretterai votre départ, je vous le dis sans phare. Nous songeons même à vous nommer à de hautes responsabilités. Ça nous verrons. Mais auparavant, la commune voudrait entendre votre avis sur la situation militaire. Je vous remercie, citoyens de l'Écluse, de la confiance que vous et certains membres de la commune, vous voulez bien m'accorder. Quant à la situation militaire sur laquelle vous me demandez mon avis, je ne vous cacherai pas qu'elle s'aggrave de jour en jour. Contre les Prussiens et les Versaillais, la commune dispose théoriquement de 200 000 hommes. Mais 10 000 seulement se battent, et trop souvent dans le désordre. Thiers, fort d'une armée de 100 000 hommes, dressé à tuer le communard, pointe tous ses canons sur une seule cible, le fort d'ici, la clé du sud de Paris. Si ce fort tombe, tous les autres forts tomberont, et les Versaillais entreront dans Paris. Il faut créer immédiatement un incapable. Pourquoi incapable? Écoutons-le d'abord, ce Russell. On verra bien ce qu'il a dans le ventre. Démission! Bravo, bravo, démission! Citoyens! Citoyens, je regretterai votre départ, je vous le dis sans phare. Nous songeons même à vous nommer à de hautes responsabilités. Ça nous verrons. Mais auparavant, la commune voudrait entendre votre avis sur la situation militaire. Je vous remercie, citoyens de l'Écluse, de la confiance que vous et certains membres de la commune, vous voulez bien m'accorder. Quant à la situation militaire sur laquelle vous me demandez mon avis, je ne vous cacherai pas qu'elle s'aggrave de jour en jour.
Contre les Prussiens et les Versaillais, la commune dispose théoriquement de 200 000 hommes. Mais 10 000 seulement se battent. Et trop souvent dans le désordre. Thiers, fort d'une armée de 100 000 hommes, dressé à tuer le communard, pointe tous ses canons sur une seule cible, le fort d'Issy. La clé du sud de Paris. Si ce fort tombe, tous les autres forts tomberont. Et les Versaillais entreront dans Paris. Il faut créer immédiatement 8 régiments d'élite de 2000 hommes avec 40 pièces d'artillerie. Ces régiments devront intervenir en bon ordre sur les flancs gauche et droit du fort d'Issy afin de soutenir les défenseurs qui sont à l'intérieur. D'autre part, il faudra absolument rétablir la discipline dans la troupe, surtout chez les officiers, sans quoi rien ne sera possible. Exposé convaincant. Oui. Non. Mais pourquoi non? Vous avez un autre homme. Vous avez un autre plan. Alors tout le monde est d'accord pour nommer Rossel délégué à la guerre. Oui, bien sûr. Citoyens, citoyens, avant de nous demander un blanc-seing, dites-nous plutôt quels sont vos antécédents démocratiques. Je n'ai pas étudié profondément les réformes sociales. Mais c'est par haine de l'ordre ancien que je suis venu me ranger sous le drapeau rénovateur des ouvriers de Paris. J'ignore ce que sera l'ordre nouveau du socialisme, mais je l'aime de confiance. Il vaudra toujours mieux que l'ancien. Est-ce que vous avez prévu de fabriquer des musettes pour les soldats? Ils en auront besoin sur la route de Versailles. Le citoyen Pia et le comité de salut public comprendront que nous ayons donné la priorité à la fabrication de sacs de terre, qui sont bien plus importants pour l'édification des barricades. Mais les pavés suffisent pour ça. Non, les pavés sont dangereux à cause des éclats d'obus. Paris, n'est Paris qu'arrachant ses pavés. Ah, c'est de la poésie, citoyen Pia. Et le comité de salut public ne peut pas s'en remettre à la poésie pour sauver Paris. Et la commune vaincra, bien. Parce qu'elle est la plus forte. Très bien. Vous dites n'importe quoi, citoyen. Moi, je n'ai pas de temps à perdre en ce moment. Alors dites tout de suite que moi, je n'ai rien à faire. Pas de susceptibilité inutile. Bien, je redemande à la commune la permission de me rendre immédiatement aux avant-postes du fort d'Issy. Mais oui. Vous ne voulez plus du commandant Mégy? Non. C'est un incapable. Tiens. Eudes. Eudes le remplacera. Le fort d'ici sera mieux commandé. Et l'ultimatum de Versailles, qu'est-ce que vous leur répondez? Écris. Écrit. Si vous continuez à m'envoyer des missives aussi insolentes, je ferai passer votre parlementaire par les armes. Mais c'est impossible. Comment c'est impossible? Nous sommes en guerre, colonel. Le fort d'ici ne doit pas être abandonné. Allez. Comment vont père et mère? Je dois vous faire souffrir. Je t'embrasse, ne t'inquiète pas.
Comment es-tu? Comme un chat maigre qui court toute la journée, qui ne sait plus ni quand il mange, ni quand il dort. Tu vis donc avec tous ces gens qui semblent déguisés en militaires? Non, je ne vis pas. Je combats avec eux. Tu as du travail devant toi. Mère a persuadé que tu restes pas plus de 8 jours dans cette pagaille. T'as croisé les bataillons de la commune? Les ouvriers de Belleville, les glorieux enfants du père Duchesne, les vengeurs de Montrouge. C'est donc ça une armée révolutionnaire? On fait avec ce qu'on a. Fais attention. Faut que je m'en aille. Au revoir, ma petite sœur. Écoutez, citoyen Pia, les faits sont clairs. Ces deux généraux devaient rester sur les flancs gauche et droit du fort d'ici. Or, sur un ordre émanant de vous, ils se sont rendus directement au fort lui-même. Résultat, tous les soldats qui étaient aux abords du fort partent à la débandade. Mais enfin, je le redis clairement. Ni Brawlowski, ni Brawlowski. Ça va, on a compris. Avez-vous, oui ou non, donné l'ordre dont parle Rossel? Non! Et ça, qu'est-ce que c'est? C'est l'original signé de votre main. C'est bien là votre signature? Mais là, on voit bien que c'est une imitation. Ou alors, je sais pas, j'ai signé sans m'en apercevoir. On est toujours responsable de sa signature. À plus forte raison quand on engage le comité de salut public. Je serais d'avis que le citoyen Pia donne sa démission. Ma démission du comité de salut public? Mais je vous l'offre. Prenez-la. Mais je vous supplie même de l'accepter. Comment pouvons-nous éviter la catastrophe si le gouvernement sape les efforts du commandement? Sur qui puis-je m'appuyer? Moi, je suis pris entre l'anarchie de la base et l'anarchie du sommet. Bravo. Mais la base n'a plus d'excuses pour être inconsciente. Bien, je redemande à la commune la permission de retourner au fort d'ici. Pas de discours. Une armée régulière vous fusillerait. Vous êtes des lâches. Citoyens, ces hommes ne sont pas des mercenaires ni des soldats. Vous ne pouvez pas leur appliquer la discipline de ceux d'en face. Et c'est bien pour ça que j'ai voulu constituer des régiments d'élite, que j'ai rassemblé les meilleurs soldats. Mais même eux, je n'arrive pas à les remuer. Essayez de convaincre au lieu de réprimer. Le combat, il n'y a pas 36 façons de se faire comprendre. Allons-y, soldats.
On y retourne. Il vaut crever. Comme une ne se fait pas de l'homme l'idée qu'il se fait de ses chiens. La haine est en face, pas chez nous. Ici, on se bat pour un idéal, pour une république sociale. Les femmes de la commune, par leur bravoure, dérange l'idée qu'on se faisait de la femme. C'est qu'elles veulent que la commune existe aussi entre les hommes et les femmes. Les ambulancières, les cantinières, les femmes soldats ne se battent pas seulement contre les Richards. Elles luttent contre un préjugé millénaire. Elles veulent une vraie fraternité de l'homme et de la femme. Si la commune n'était faite que de femmes comme vous, elle n'en serait peut-être pas là. Et moi, qu'est-ce que je peux faire au milieu de cette pagaille? Tout me file entre les doigts. Pour demain, j'ai demandé 12 000 hommes au chef de bataillon. Si ces incapables ne tiennent pas parole, je n'aurai plus qu'à partir. Je vous laisse, citoyen Rossel. Moi, je vais suivre ces soldats que vous avez renvoyés à la mort. Mademoiselle, quel est votre nom? Louise Michel. Les trois bataillons de mon régiment refusent de marcher. Je ne peux plus contrôler les dépenses de la guerre depuis que Rossel a confié les cordons de la bourse à l'état-major de la garde nationale. Chacun se sert à sa guise. L'un se fait faire un cachet spécial, l'autre un costume luxueux, le troisième s'achète des bottes à 100 francs. Ce sont des polichinelles. Les dépenses militaires de la commune ne doivent pas dépasser 800 000 francs par jour si je veux terminer mon budget en équilibre. Citoyen Jourde, vous êtes un excellent comptable. Mais je ne comprends vraiment pas pourquoi vous n'utilisez pas l'or de la Banque de France contre Versailles. Mais c'est un gage formidable pour la Révolution. Ça vaut 10 000 otages. Et avec ça, croyez-moi, vous avez les moyens de rendre les Versaillais très, très gentils. C'est de la folie. La commune ne doit pas toucher à l'or de la Banque de France. Elle doit respecter le crédit. Si elle veut inspirer confiance. Confiance, confiance, mais confiance à qui? Il faut faire arrêter Rossel. Arrêter Rossel? Arrêter Rossel. Mais oui! Mais non! C'est lui le coupable! C'est un con, quoi, arrêter Rossel. Mais oui! Si l'état-major de la garde nationale jette l'argent par les fenêtres, je le répète, c'est lui le coupable, il faut l'arrêter! C'est une absurdité! Ah, te voilà, alors? Les chefs de Légion sont prêts. Combien d'hommes? 3 000-4 000. 4 000? Au lieu de 12 000. C'est lamentable. Le fort d'ici est tombé. Ainsi, ils ont lâché pied.
alors que le peuple de Paris juge lui-même. Fais placarder cette affiche à 10 000 exemplaires sur tous les murs de Paris. Le drapeau tricolore flotte sur le fort d'ici, abandonné par sa garnison. C'est tout? Oui, c'est tout. La commune te demande un rapport. La commune me demande un rapport. Eh bien, elle va l'avoir, son rapport. Citoyen, membre de la commune, je ne me sens plus capable d'assumer un commandement où tout le monde délibère et où personne n'obéit. Sachant que la force d'une révolution tient en sa rigueur, j'ai 2 lignes à choisir. Briser l'obstacle ou me retirer. Je ne briserai pas l'obstacle, car l'obstacle c'est vous et votre faiblesse. Je ne veux pas attenter à la souveraineté publique. Je me retire. Et j'ai l'honneur de vous demander une cellule à la prison de Mazas. La trahison vous enveloppe de toutes parts. Le traître, c'est Rossel. Son affiche est un aveu. Elle est faite pour démoraliser le peuple. Il est absurde d'accabler Rossel. Il n'a personne pour se battre. À de tels actes, on ne répond que par des coups de fusil. Vous n'avez pas su vous défier du pouvoir militaire. Rossel n'est qu'un talon rouge. Un théoricien, un soldat de manuel. Il ne s'occupe que de la presse et de sa propre image. Ah, il nous a eu à l'esbrouf, ce cabot. Laissez là toutes vos haines. Il faut que nous sauvions le pays. J'espérais, citoyens, que la France serait sauvée par Paris. Et l'Europe par la France. Vous devez donner à Rossel les moyens de continuer. Il n'y a que lui. Il récolte ce qu'il a semé. C'est lui qui a foutu la pagaille. Il voulait l'armée à sa botte. Voilà où on en est. C'est un acte criminel. Il faut que les têtes tombent. Taisez-vous, Pia. Vous êtes le mauvais génie de la commune. C'est bien ces assemblées incapables d'agir. Pour sauver la révolution, il faut annuler la commune. Annuler la commune. Annuler la commune. Annuler la commune. Attends, t'as plus le choix. Ou tu prends le pouvoir, ou tu disparais. Que ça te plaise ou non. Prendre le pouvoir avec des gardes nationaux qui sont même pas capables d'avancer. Ce sera un coup d'État ridicule, oui. Les socialistes sont prêts à te suivre. Oui. Des socialistes. Des doux rêveurs, oui. Les socialistes, ils voudront jamais employer les grands moyens. Ils ont trop peur de moi. En 93, Saint-Just et Robespierre n'ont pas reculé, eux. Oui, mais en 93, Saint-Just et Robespierre, ils étaient autrement soutenus. En 93, le comité de salut public, c'était pas du toc comme aujourd'hui. Non, c'était des bourgeois, sans vouloir te vexer. Oui, d'accord, c'était des bourgeois. Mais eux, ils savaient ce qu'ils voulaient, ils étaient autrement organisés. La bourgeoisie a fait son temps, il faut savoir la remplacer. À toi de jouer, mon vieux. Ben oui, la remplacer, mais par quoi? Qu'est-ce que vous proposez en face? Rien. Écoute, même s'il n'y avait qu'une chance sur 1000, tu peux plus reculer. Sans toi, la réaction sera maîtresse de Paris dans 15 jours. Alors? On n'improvise pas un gouvernement comme ça. La bourgeoisie est pourrie. La classe ouvrière n'a pas encore la force de gouverner. Tant pis pour la France. Tant pis pour la France. Un polytechnicien n'est pas fait pour faire la révolution. Moi, Trotsky, à la place de Rossel, je tenterai le coup.
Un peu moins de technique, un peu plus de politique. Qu'en pense le camarade Lénine? Je ne suis pas de l'avis du camarade Trotsky. Rossel, s'il acceptait la dictature, se discréditerait. Ce serait une caricature de Bonaparte. Ce qui manque à la Commune, c'est la cohérence. Et qui dit cohérence, dit parti. Pour faire la révolution, il faut un parti organisé militairement. Des professionnels de la révolution. Moi, Léon Blum, je crois à la nécessité d'un parti, mais je me méfie des professionnels. Rossel, d'instinct, comprend que le mal est plus profond. La classe ouvrière dans sa masse n'est pas mûre. En 1871, pour les responsabilités, il s'incline devant la souveraineté publique, devant la Commune, élue au suffrage universel. Il m'en a coûté à moi-même, en 1936, de ne pas porter secours au Front populaire espagnol, agressé par les fascistes. Mais j'aurais été seul, comme Rossel. Il est des circonstances où le devoir, si douloureux soit-il, est de renoncer. Le devoir est toujours d'oser, si on ne veut pas remettre le socialisme au calendrier grec. La révolution d'octobre n'a triomphé que juchée sur les épaules de la Commune de Paris. J'ai dansé dans la neige de la cour du Kremlin quand le pouvoir des soviets a duré 5 jours de plus que la Commune. Sa leçon nous a servi. Vive la glorieuse Commune de Paris! La Commune préfigure davantage le socialisme que votre expérience bureaucratique. La grandeur de la Commune, au contraire, est de ne pas songer à se défendre, mais à servir d'exemple. Elle est de préférer à son être sa raison d'être. Ce n'est pas en le défigurant qu'on sert le socialisme. Merci, virtuose. J'aime la musique, moi. Surtout celle-là. Hé, les potes, vous avez vu ce qu'ils mettent sur les murs de Paris? Ils ont licencié Rossel, le délégué à la guerre. Eh bien, que la Commune se méfie des militaires, je trouve plutôt ça sympathique. Ouais, parce que les militaires, hein, on les a vus à Sedan. Allez, va coller ton affiche, ouais. Il paraît que les Versaillais sont à Auteuil. Rosalie, faut pas croire au potin. De toute façon, tu sais bien qu'on les attend. Hein. À ce soir. À ce soir. Écoutez de la musique et les Versaillais sont sur le point de rentrer dans Paris. Bravo. Ah oui. Eh bien, figurez-vous que ils vont avoir des ennuis. Parce qu'ils vont trouver des barricades avec la classe ouvrière qui les attend derrière et de pied ferme. Eh bien, vous vous bercez de douces illusions. Et qui êtes-vous, vous? On mésestime pareillement la classe ouvrière. Je ne mésestime pas la classe ouvrière, mais enfin, vous feriez mieux d'être vigilant, vous feriez mieux de vous préparer contre l'ennemi, au lieu de toute cette pagaille, là.
À part que vous avez quelque chose à dire contre l'administration de la commune. Eh bien, moi, je trouve que les services fonctionnent très bien. Jamais Paris n'a été aussi gai, non? Aussi propre. Gouverner, c'est une autre affaire. Vous l'entendez, monsieur Gouverner? Ouais. Mais jamais les ouvriers n'ont voulu la prendre la place des patrons. Les patrons, c'est quoi? C'est le capital. C'est la propriété. C'est comme l'a dit notre ami Proudhon. La propriété, c'est le vol. On n'est pas des voleurs, non? Non. Seulement le capital, ce vampire qui suce le sang des ouvriers, nous, on veut le foutre en l'air. Et on veut prouver que la classe ouvrière est capable de gérer ses affaires elle-même. Vous croyez vraiment à l'association des travailleurs? Ah oui, je suis payé pour y croire. Les ingénieurs, ils construiront des machines. Les compagnons, ils feront tourner les machines. Les vendeurs, ils vendront le produit de ces machines. Et les comptables, ils font les comptes. Mais qu'est-ce que les patrons ont à foutre là-dedans qu'à nous voler une part de notre travail? Non, croyez pas, vous savez que les gens sont pas si maîtres. Hein. Notre expérience, notre démonstration, si j'ose dire, fera que la société nous suivra, toute la société. De toute façon, je ne serai pas là, puisque la commune, déjà, veut me condamner. La commune peut vous condamner? Oh, et comment faire? Alors, ce sera trop long à vous expliquer, mais si vous voulez vaincre, dépêchez-vous. Parce que ce sera peut-être l'autre. Ouais. Eh ben, raison de plus pour lui pousser au cul. Après le crin-crin, les barricades, je vous salue. Salut, citoyen. Rossel n'a plus sa place nulle part. L'histoire n'a pas voulu de lui. Il ne lui reste plus qu'à la regarder s'accomplir. Il y a 11 jours que Rossel est terré dans cette chambre d'hôtel. Il ne quittera pas Paris. Il préfère être ici avec les vaincus plutôt qu'avec les vainqueurs. Le bruit s'est répandu ce matin que les Versaillais étaient entrés dans Paris, par la porte de Saint-Cloud, désertés par ses défenseurs. Mais curieusement, alors que le soir tombe, Paris semble s'éveiller. Cette ville terrible ne s'avoue pas vaincu. Place au peuple! L'heure de la guerre révolutionnaire a sonné. Le peuple ne connaît rien aux manœuvres savantes. Mais quand il a un fusil dans les mains et des pavés sous les pieds, il ne craint pas tous les stratèges de l'école monarchiste. Place au peuple! Paris brûle. Les Tuileries, la préfecture de police, l'hôtel de ville sont en flammes. Le combat fait rage depuis plusieurs jours. Les fédérés emportent leur mort. Commande ici. C'est moi.
Qui? Moi. Trabuc, ouvrier maçon. Ce sont les ouvriers maçons qui commandent maintenant. Le drapeau tricolore. Ça fait drôle de voir flotter joyeusement les trois couleurs qui ont fait le tour du monde. Et c'est le drapeau de Versailles. Pauvre drapeau, si tu savais qui se sert de toi. Le général de Cissé, qui arrive bon dernier. Toujours les vaincus de Metz et de Sedan. Quelle revanche pour eux. Je vous en prie, mon officier. Laissez mon enfant. Non, maman. Je veux partir avec les autres. L'ordre règne à Paris. Partout des morts, des ruines. On chante des actions de grâce dans les églises. L'armée de Versailles s'est transformée en un gigantesque peloton d'exécution. Les morts se vengent par la puanteur qu'exhalent leurs cadavres. On parle de 36 000 morts. Adolphe Thiers déclare « Le socialisme est fini pour longtemps ». Il dit aussi « Le sol de Paris est jonché de leurs cadavres. Ce spectacle affreux servira de leçon. » Delescluze a préféré mourir. Je le vois dans son vêtement ordinaire, chapeau, redingote, et pantalon noir, écharpe rouge autour de la ceinture, s'avançant seul sur la chaussée du boulevard. Il marche vers la dernière barricade, comme les anciens montagnards à l'échafaud. C'est sa récompense d'être mort au soleil, les mains libres, sans être affligé par la vue du bourreau. Le peuple français se soulève périodiquement en immense marée. Il brise tout ce qui s'oppose à son courant impétueux. Et bientôt il retombe, assoupi, comme vaincu, au pied du rocher qui limitait ses flots. Il semble que le rocher ait été plus puissant que la vague. Qui l'emporte cependant à la fin? De la vague ou du rocher. Eugène Varlin est reconnu par un prêtre, place Cadet. Il a les mains attachées derrière le dos. On le pousse vers la butte Montmartre. On le traîne une grande heure sous une grêle de coups. Sa jeune tête méditative, qui n'aurait eu que des pensées fraternelles, devient un hachis de chair, l'œil pendant hors de l'orbite. À la fin, il ne marche plus. On le porte. On l'assied pour le fusiller. Si la classe ouvrière a un cœur pour ensevelir ses martyrs, elle n'en a pas de plus glorieux. Vous êtes Rossel? Suivez-moi.
Au nom du peuple français, le dénommé Louis Nathaniel Rossel est déclaré coupable d'avoir commis un attentat pour changer la forme du gouvernement, exciter à la guerre civile, lever des troupes sans autorisation. Ayant rejoint les rebelles armés de la Commune, il doit être considéré, conformément à l'article 238 du Code militaire, comme étant passé à l'ennemi. La Cour décide qu'il soit condamné à mort et passé par les armes. Rossel est jeune comme nous. Il ne doit pas mourir. Il est excusable d'avoir refusé la capitulation. Il a cru faire son devoir. Nous, étudiants parisiens, sommes bien décidés à obtenir la grâce de Rossel. Et nous allons dire à Monsieur Thiers... La grâce pour Rossel. La grâce pour Rossel. La grâce pour Rossel. Rossel est une insulte vivante pour tous les officiers qui ont fait leur devoir. La grâce pour Rossel. Ne pas exécuter la sentence, ce serait détruire à tout jamais la discipline militaire. Ils me cassent les pieds avec leur recel. Ces autres étudiants, les habitants de Metz qui n'en finissent pas de pleurnicher, les protestants, un groupe de pression actif et qui a le sens de la solidarité. Et maintenant, les intellectuels en chaise longue, Victor Hugo, Madame Edgar Quinet, ils m'agacent à la fin. Aux dernières nouvelles, même le colonel d'Enfer Rochereau qui s'y met. Il faut que le calme ne soit pas troublé pour que l'Assemblée puisse revenir tranquillement, comme prévu, de Versailles à Paris. C'est vrai aussi que je n'ai plus besoin de la tête de Rossel. 30 000 morts pour châtier la Commune, ça suffit comme ça. Seulement voilà, il y a l'armée que je ne peux pas mécontenter. J'ai une idée. Monsieur Rossel? Le président Thiers me charge de vous dire qu'il est prêt à soutenir votre grâce. Si vous acceptez de quitter à tout jamais le sol de la France. Le bannissement à perpétuité. Le président Thiers n'a pas les mains libres. Mais ses sentiments envers vous ne sont pas en cause. Remercierai le président Thiers pour ses sentiments. Et vous lui répondrez que si je suis dans ces prisons aujourd'hui, c'est parce que je n'ai jamais voulu quitter mon pays ou l'abandonner. Et puis que serait Rossel exilé. Pour les communards, un traître. Pour les Versaillais, un objet de dérision. Vous direz au président Thiers que je refuse. Le 25 novembre, Rossel apprend que sa grâce a été rejetée. Ce n'est pas de mourir comme je meurs qui m'afflige. Mais ce que je supporte pas, c'est qu'on vous fasse souffrir. C'est toi, père et mère. Je ne supporte pas qu'on vous fasse attendre. Mon père va aller voir Thiers. Il dit que c'est impossible, qu'on ne peut pas assassiner un enfant. Écoute, rassure-le. Dis-lui que je ne suis pas à plaindre. Dis-lui que mourir jeune comme je meurs d'une mort honorable, c'est pas un sort à plaindre.
que je n'ai pas déshonoré mon nom. Et puis, ne restez pas à Paris après l'événement. Partez tout de suite à Nîmes. Je ne veux pas que vous restiez là avec tous les députés. Partez et prends soin bien d'eux. Écoute, mère, fais donner nos économies au directeur de la prison pour qu'il te fasse sauver. Nous avons 20 000 francs. 20 000 francs. Elle a dû rassembler toutes ses économies là pour 20 000 francs. Non, c'est pas assez. Si j'avais vendu mon pays, j'aurais des millions, je serais pas là, je serais pas condamné. Mais 20 000 francs. Mon frère bien-aimé. Rossel, il faudra bien un siècle pour qu'on se souvienne de lui. Qui aurait intérêt à cultiver son souvenir? La droite? Le sacrifice de Rossel éclaire trop ses trahisons. La gauche? Il éclaire trop ses faiblesses. Je n'attends rien de la droite. J'ai percé son mobile fondamental, c'est la peur. La peur du peuple. Mon seul tort, peut-être, ça a été de vouloir continuer la guerre. Je crois que la bourgeoisie ne le voulait pas, parce que ça l'aurait obligé à faire une plus grande part au peuple. Et la gauche? J'ai été déçu par la commune. J'y ai guère trouvé de gens capables. Quant à la gauche officielle, la gauche respectable, je préfère ne pas en parler. Je hais le néant. Même quand il se dissimule sous les grands noms de république ou de démocratie. Mais alors, vous n'attendez rien de personne? Je n'attends rien que de l'histoire. Vous ne regrettez pas d'avoir servi la commune? Il y a une chose que je ne regrette pas, c'est d'avoir combattu les Versaillais. J'espère que ma mort servira contre eux. Un siècle après, ils sont toujours là. Le pouvoir, ils connaissent. La bourgeoisie française n'est pas la plus bête du monde, et de loin, c'en est la plus rusée. Elle a toujours su diviser pour régner. De la lutte de classe, elle a une expérience incomparable. Et la patrie, qu'est-ce qu'elle est devenue? La patrie? Elle se fiche bien de la patrie. Hier, elle collaborait avec les Allemands. Aujourd'hui, elle vend ses usines aux Américains. Elle place ses capitaux en Suisse. Alors, si elle vend ses usines, si elle ne s'intéresse même plus à l'industrie, à quoi s'intéresse-t-elle? Elle ne s'intéresse que médiocrement à l'industrie. Ce qui l'intéresse, c'est le pouvoir. Et accessoirement, de singer l'ancienne aristocratie, avec des noms à rallonge. Des noms d'emprunt, bien entendu. Pour le reste, quelques subventions. Des spéculations intéressantes dans la pierre et dans l'immobilier de préférence. Quelques passe-droits, bref, un état à la main. Et voilà qui lui suffit pour faire tourner sa boutique. Mais la France, qu'est-ce qu'elle dit? Mais la France, que voulez-vous qu'elle dise? Puisque ses classes dirigeantes n'ont plus rien à dire. On l'explique que c'est une nation moyenne. Non, surtout pas de grandeur. La France est seulement ce qu'il y a de meilleur. Ce qu'il y a de meilleur? C'est ce qu'on lui dit. C'est vin, c'est fromage. Voilà ce que pensent les Américains. Mais ils sont tombés bien bas. Mais alors ma mort n'aura servi à rien. C'est que votre sort est plus lié que vous ne l'avez cru à celui des communards. Votre exemple n'aura de sens qu'au service du socialisme. Mais où en est le socialisme, précisément?
parce que j'ai découvert sous la commune des théoriciens de valeur, des gens résolus, mais c'est comme si la commune n'avait pas donné toutes ses forces, c'est comme si la commune n'avait été qu'une escarmouche d'avant-garde, une sorte de rendez-vous manqué. Tout à fait, votre intuition est juste. Parce que les forces qui se sont ébranlées sous la commune de Paris, en un siècle, ont bouleversé le monde. À Moscou en 1917, à Berlin en 1919, à Canton en 1928, à Hanoï en 1965, à Paris à nouveau en mai 1968, il y a des millions de gens qui ont rêvé aux ouvriers parisiens qui partaient à l'assaut du ciel. Un siècle après, la commune n'est pas morte. J'aurais pu défendre le socialisme s'il avait été capable de relever la patrie. L'histoire ne vous reprochera pas de n'avoir été qu'un officier républicain et patriote, et pas un ouvrier socialiste. Aussi bien on ne naît jamais socialiste, on le devient toujours. Mais je suis devenu par patriotisme. Cela arrivera à d'autres. Mais vous étiez trop pressé. L'histoire est plus lente. Un siècle après, la classe ouvrière est loin d'avoir donné tout ce dont elle est capable. Une fois mort, je suis inattaquable. Ma mort est mon triomphe. J'aurais prouvé à tous qu'il y a des jours où un soldat peut et doit désobéir sans se dégrader. Rossel montra jusqu'au bout une parfaite sérénité. Il avait 27 ans. Il y a des morts qui pèsent le poids d'une plume, d'autres le poids d'une montagne, a écrit Mao Tse-Tung. Même s'il mettait sa conscience au-dessus de toute allégeance de classe, et parce qu'il a su mourir pour témoigner, Rossel a aussi sa place dans le grand cœur de la classe ouvrière. C'est pour la commune égorgée qu'il est mort, frappé par la loi. Oh, mon enfant, ta mort sera vengée. Oh, martyr, dors en paix, dors en paix. La France pense à toi. Il est mort glorieux pour le salut du monde, comme le Christ est mort par la main des bourreaux. Mais son sang généreux vivifie et féconde le droit de liberté qu'il défendait si haut. C'est pour la commune égorgée qu'il est mort, frappé par la loi. Oh, Rossel, mon enfant, ta mort sera vengée. Oh, martyr, dors en paix, dors en paix. La France pense à toi. La République était son amant adoré. Pour elle, il a donné sa jeunesse et son sang. Les Français en mémoire, la France déchirée, pleure avec nous ce fils, pleure cet innocent. C'est pour la commune égorgée qu'il est mort, frappé par la loi. Oh, Rossel, mon enfant, ta mort sera vengée. Oh, martyr, dors en paix, dors en paix. La France pense à toi. Adieu, mon fils, adieu.
ton immense fortune, laisse dans notre cœur un immortel regret. Mais si le peuple un jour refaisait la commune, c'est au nom de Rossel qu'il se soulèverait. C'est pour la commune égorgée qu'il est mort.